Si j'avais été français de souche, uniquement, vous pensez que le gouvernement français aurait eu une autre attitude vis-à-vis de moi? Si vous me répondez non, ça veut dire que l'État-nation, il sert à rien. Puisque dans tous les cas, il vous aurait lâché parce qu'il y avait des intérêts que les politiciens français ont considérés bien supérieurs que celui de la sauvegarde d'un citoyen français. Et tout ça, vous parlez de justice, enfin je dirais que c'est une farce. Si c'était à refaire, je le ferais sans aucun doute. Il n'y a pas de prix pour la liberté, hein. Même si c'est une liberté réduite, il n'y a pas de prix pour la liberté. Monsieur et Madame Ghosn, bonjour. Merci d'avoir fait l'honneur à VA+ et Valeurs Actuelles de répondre à nos questions. On ne vous présente plus, mais je vous présente très brièvement tout de même. Vous êtes ancien PDG de Renault-Nissan. Aujourd'hui, vous êtes un fugitif. Vous faites l'objet d'une notice, d'une fiche rouge Interpol, recherchée par quasiment toutes les polices du monde. Comment vous ressentez le fait d'être passé d'un des hommes les plus puissants du monde à, comme je l'ai dit, un fugitif? Mais, bon, d'abord, le terme fugitif laisse à penser que vous êtes en fuite. Moi, j'ai quitté le Japon quand je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de justice japonaise. Il y avait une injustice flagrante qui a fait que, plutôt que de pourrir 7-8 ans devant les tribunaux japonais avant forcément d'être reconnu coupable, puisque c'était écrit dès le départ, j'ai décidé de quitter le Japon. Je ne suis pas fugitif dans le sens où tout le monde sait où je suis. Je suis au Liban, je suis localisé, et je collabore avec tout ce qui ressemble à des instruments de justice. Voilà. Donc, parce que quand on dit fugitif, on dit oui, ben, quelqu'un qui fuit la justice. C'est pas vrai. Moi, j'ai fui l'injustice flagrante que j'ai subie au Japon. Je suis actuellement au Liban. Compte tenu de la notice rouge qui a été émise par le Japon, je ne peux pas quitter le Liban. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, mais pourquoi vous n'êtes pas en France? Attendez, je ne peux pas aller en France, moi je ne peux pas aujourd'hui, je n'ai pas de passeport, moi, retirer mes passeports, je ne peux pas quitter le Liban, ce n'est pas un self-service. Je suis soumis à la justice libanaise qui contribue dans le cadre d'Interpol à me maintenir, me localiser au Liban jusqu'à nouvel ordre. C'est quoi le nouvel ordre? Le nouvel ordre, c'est que justice soit rendue, c'est-à-dire vous alliez devant un tribunal. Ce que les Japonais refusent de faire, puisque depuis pratiquement 2 ans et demi que je suis au Liban, ils ont toujours refusé de transmettre aux autorités libanaises les accusations qui, soi-disant, font que je suis en fuite. Oui, parce que ce n'est pas que vous refusez d'être jugé, vous demandez à être jugé, mais au Liban. Pourquoi au Liban et pas au Japon? D'abord, s'il y avait une justice japonaise, je n'aurais pas quitté le Japon. Franchement, je vous rappelle quand même les événements, parce qu'il y a une telle confusion maintenue d'ailleurs autour de mon cas, lancée par les autorités japonaises, malheureusement en collaboration avec les autorités françaises, puisque je vous rappelle que moi j'ai été arrêté pour un soi-disant montant d'indemnité qui n'a ni été voté par le conseil d'administration, ni payé. Ça, c'est le motif de l'arrestation. Le seul, il n'y en a pas d'autre. Tout ce qui a été fabriqué derrière, 2 mois derrière, 3 mois derrière, après d'intenses enquêtes menées par les Japonais, souvent au mépris des règles de justice qui existent dans d'autres pays, tout ça, ça a été fabriqué pour renforcer l'accusation initiale. Donc, quand vous dites pourquoi vous ne vous rendez pas à la justice japonaise, s'il y avait une justice japonaise, je me serais rendu sans problème, avec la possibilité de me défendre. Mais quand je vois ce qui s'est passé avec Greg Kelly, vous savez, mon collègue qui a été arrêté aussi au Japon, il a mis 3 ans pour être jugé sur complicité dans la non-déclaration du revenu dont il n'est même pas bénéficiaire, 3 ans, et il a été déclaré coupable, non pas de l'accusation principale, mais parce que, étant au courant de ce qui se préparait, il n'en a pas parlé au conseil de Nissan ou aux autorités japonaises. 6 mois avec sursis, ils ont envoyé aux États-Unis. Donc ça, franchement, je dirais, c'est cette justice, je m'en passe. Et je ne souhaite à personne d'être soumis à la justice japonaise, surtout vis-à-vis des étrangers. Madame Ghosn,
Comment avez-vous vécu la mise en détention de votre mari et puis tout ce tsunami médiatique autour de son arrestation ? Très mal, très très mal. Et je trouvais, je ne comprenais pas que les gens étaient concentrés sur des histoires comme Versailles. Quand il y avait un homme qui a été arrêté, on ne sait pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, si on s'arrête pour l'accusation, on ne met pas quelqu'un 4 mois en détention, avec les lumières toujours allumées. 2 fois par semaine, il prend une douche, il a perdu 10 kilos. Il était malade, ils n'ont pas donné des médicaments, il n'avait pas de fenêtre. Et tout le monde, personne ne parlait de combien il souffrait. Et on parlait de cette soirée à Versailles qu'on a 1000 fois expliqué, l'explication derrière ça, qu'on a payé pour la salle, qu'on a tout fait proprement. Et les gens, je pense, ils veulent une histoire qui est un peu sexy sur Versailles et ça, mais un homme, il y avait des human rights qui se sont cassés et les gens s'en foutaient. Et ça me faisait beaucoup de mal. Lorsque vous parlez de la soirée à Versailles, c'est pour votre anniversaire ou c'était pour l'Alliance ? Oui, c'était pour mon anniversaire. Et on a montré 1000 fois les papiers que tout était clair et payé et les gens revenaient avec ça. Donc je trouve qu'il y a un peu d'injustice dans toute cette histoire. Est-ce que pour vous, la France a été à la hauteur dans cette affaire, dans sa façon de défendre votre mari ? Non, je ne pense pas qu'un citoyen français, un homme qui représentait la France, il a été au Japon comme PDG de Renault et il a été traité comme ça. Et ça fait peur pour les citoyens français s'ils s'arrêtent dans un pays étranger et que la France ne fait rien parce qu'il y a des intérêts toujours politiques et économiques et plus importants que l'être humain. Monsieur Ghosn, je reviens sur votre départ du Japon. Comment est-ce que vous avez pris la décision de partir ? Et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez dans les mêmes conditions ? Premièrement, si c'était à refaire, je le ferais sans aucun doute. Compte tenu de tout ce que je sais maintenant de la façon dont se déroule la justice japonaise, je le ferais probablement plus vite et plus tôt. Pendant un an, j'ai espéré qu'il y aurait un semblant de justice. Mais le cumul des démonstrations de la part des autorités judiciaires, en collaboration bien sûr avec Nissan et en collaboration avec le gouvernement japonais, qui me laissait à montrer que finalement, tout ce qu'ils cherchaient, c'est des arguments pour alourdir les charges et pas du tout pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout ça fait que je suis probablement parti un an trop tard, quoi. Si j'avais pu partir avant, je serais parti avant. Si j'avais décidé de partir avant, si je savais tout ce que je savais au moment où je suis parti, je serais parti avant, bien sûr. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête lorsque vous étiez dans cette fameuse malle ? À ce moment-là, vous êtes vraiment extrêmement vulnérable et un peu à la merci des personnes qui vous aident lors de cette évasion. Donc vous êtes enfermé dans cette malle. On vous fait le transfert par l'aéroport, on vous met dans cet avion. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là ? Écoutez, moi j'étais à la merci d'autres personnes dès mon arrestation. Faut pas se faire d'illusions. J'étais pas plus vulnérable dans la malle que je ne l'étais quand j'étais en prison au Japon, j'étais quand j'étais en soi-disant liberté surveillée ou assignée à résidence, puisque j'étais suivi tout le temps. Au mépris de toutes les règles et de toutes les lois, etc. Et mes avocats me le disaient, c'est contre la loi, ils le font quand même. Donc je savais que j'étais vulnérable. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu plus de vulnérabilité quand vous êtes dans la caisse, mais finalement c'est une vulnérabilité avec quand même un espoir de sortie beaucoup plus fort que de rester enfermé au Japon entre les mains d'autorités qui sont hostiles et qui ne cherchent qu'à vous mettre hors jeu. Donc, j'étais très concentré, il fallait que ça réussisse. Et vous savez, quand vous tentez quelque chose, ce n'est pas une tentative que vous faites, vous la faites pour réussir. Donc, je savais que c'était osé, je savais que c'était très dangereux, mais je n'ai pas hésité un instant, je n'ai pas eu un état d'âme, j'étais concentré sur la sortie, et heureusement pour moi, la sortie est arrivée quand l'avion a atterri à Beyrouth. Oui, parce que vous le dites,
il y avait un espoir lorsque vous étiez dans cette malle, mais il y avait aussi une peur. Si vous faisiez attraper, pour le coup, c'était sûr et certain, vous ne sortiriez peut-être jamais de prison. Oh, vous pensez franchement que j'avais une chance de sortir de prison, en la façon dont tout ça, ça a été maquillé dès le départ. Cette collaboration entre Nissan et les procureurs pendant des mois avant mon arrestation, pour essayer de monter le système par lequel ils pourraient me mettre complètement hors d'état de nuire et détruire l'Alliance, ça se voit sous vos yeux. Je lisais dans la presse ce matin que le patron de Renault va quémander un accord à Nissan pour faire ce qui a toujours été refusé par le gouvernement français, qui est de réduire la participation de Renault dans Nissan, le ramener à 15% pour avoir quelques concessions de la part de Nissan. C'est affligeant de voir cela, de voir que au départ on fait les barbeaux vis-à-vis des Japonais et quand les Japonais finalement se rebiffent, eh ben on donne tout, on lâche tout, on défend même plus ce qui devait être défendu, qui est celui des intérêts de Renault dans l'Alliance. On sait que en faisant cette évasion, vous avez fait une croix sur la caution que vous aviez versée de 12 millions d'euros. Et beaucoup de spéculations sur le coût de votre évasion. Combien est-ce qu'elle vous a coûté, cette évasion ? Non, vous savez, il n'y a pas de prix pour la liberté, hein, même si c'est une liberté réduite, il n'y a pas de prix pour la liberté. Et il n'y a pas de prix élevé pour lutter contre l'injustice. Il faut quand même vous rendre compte que moi, pendant un an au Japon, je ne pouvais pas me défendre. Je ne pouvais pas parler aux journalistes, je ne pouvais pas expliquer mon cas. Je subissais un matraquage médiatique organisé à partir du Japon, avec la complicité, bien sûr, d'un certain nombre d'agences de communication en France, largement payées par Nissan, pour montrer tous les côtés un peu désagréables, en laissant penser que je me prenais pour le roi soleil, en organisant des soirées à Versailles, qu'il y avait eu des abus ici ou là, etc., et détourner du véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est un enjeu industriel. C'est la perte de l'Alliance. L'Alliance qui est totalement hors contrôle, qui n'existe plus, c'est un zombie, mais qui est totalement hors contrôle de la France. Alors que quand j'avais proposé à un certain moment un rééquilibrage en douceur de l'Alliance, de façon à maintenir cette confiance entre les deux entreprises, j'obtenais un niet, mais complet et sans nuance, de la part du gouvernement français, ce même gouvernement aujourd'hui qui autorise le patron de Renault à aller discuter un rééquilibrage, on passe de 43 à 15%, et dans quelles conditions ? Dans quelles conditions ? Dans des conditions où les deux actions de Nissan et de Renault sont au plus bas. Vous suivez encore de très près, hein, les péripéties autour de Renault, ça reste malgré tout un peu votre bébé ? Non, non, vous savez, j'ai tourné la page, c'est fini, ce n'est plus mon bébé. Je suis très fier des 18-19 ans où j'étais à la tête de l'Alliance. Je pense que ça a été un parcours impeccable sur le plan de la performance des entreprises. Je suis un peu triste quand on m'amène, parce que moi je ne lis pas les nouvelles, je ne suis pas à la recherche de ces nouvelles, mais vous comprenez bien, aujourd'hui, au temps des social media, on m'envoie, chaque fois qu'il y a un article qui me concerne ou qui concerne Renault, Nissan ou Mitsubishi, on me l'envoie automatiquement. Donc je suis au courant, je suis même servi à domicile. Mais tout ceci n'est pas une surprise, je l'ai dit il y a 2 ans, en sortant. Je vous ai dit ce qui allait se passer, et c'est en train de se passer. Alors évidemment, c'est camouflé par des grandes paroles, des discours, des trucs rassurants, etc. Mais dans la réalité, c'est que Mitsubishi est par terre, Renault est par terre, Nissan n'est plus que l'ombre de lui-même, l'Alliance est un zombie, et aujourd'hui, on présente un scénario dans lequel on va séparer Renault en deux parties, on va faire l'électrique, etc. Et on va commander vis-à-vis des Japonais de bien accepter de participer à ce démantèlement de Renault. C'est affligeant. Ceci étant dit, ce n'est plus ma responsabilité. Mais les actionnaires l'ont compris, puisque quand j'étais arrêté, l'action de Renault tournait autour de 70 euros. Et aujourd'hui, malgré tous les efforts, elle peine péniblement autour de 30. Madame Ghosn, lorsque vous avez retrouvé votre mari, est-ce qu'il avait changé par rapport à lorsque la police japonaise l'avait emmené ? Oui, bien sûr, il a changé. Premièrement, physiquement, il a perdu beaucoup de poids. Il était très fatigué. Il dormait tout le temps. Je pense que c'était une façon de se fuir de la réalité.
mais il était toujours doux et gentil avec moi. Et ça, c'est important parce que je ne savais pas qu'est-ce que je vais retrouver, un homme déprimé, un homme qui a totalement changé. Ce n'était pas le cas. Il était très triste. On était tous tristes et traumatisés de cette histoire. Mais non, il n'était pas déprimé. En tant que couple, comment vous avez réussi à surmonter cette épreuve ? Premièrement, quand quelqu'un souffre ensemble, on a les mêmes problèmes, donc on se comprend. Et ça, ça aide beaucoup. Parce que, oui, on a les mêmes souffrances. Et quand, grâce à notre amour, ça nous a beaucoup aidé à se reconstruire. Parce que c'est plus facile quand on est à deux. Et on a les mêmes problèmes et les mêmes souffrances. Je pense que c'est l'amour. Non, vous savez, il y a deux moteurs très puissants dans chaque être humain. Il y a d'un côté l'espoir et de l'autre côté l'amour. Il n'y a rien d'autre. L'espoir et l'amour. Bon, donc moi, le fait d'arriver au Liban, d'abord, l'espoir renaît. Et évidemment, ayant la chance d'avoir de l'amour dans ma vie, dans cette phase de ma vie, un amour partagé, un amour très fort, qui a été démontré par le combat qu'a mené Carole contre vent et marée au moment où tout le monde nous avait lâchés, je trouve ça extraordinaire. Et ça m'a donné beaucoup de force pour éviter toute forme de dépression, de laisser aller, etc. Au contraire, j'étais combatif, je suis toujours combatif, j'ai tourné la page, je combats pour mes droits, je combats pour ma réputation, à la mesure de mes moyens, évidemment. Je peux difficilement, compte tenu des moyens dont disposent Renault, Nissan, pour raconter l'histoire à la façon qu'ils le souhaitent, ou des différents procureurs en France et au Japon, la seule façon dont vous défendre, c'est par la communication, c'est par les films, c'est par les livres, pour ceux qui veulent bien regarder ce qui s'est passé, et essayer de comprendre cette histoire qui a été rendue très complexe, parce que vous savez très bien, hein, quand on dit quand il y a du flou, quand il y a de la complexité, c'est qu'il y a un loup. Est-ce que vous gardez le moral tout de même aujourd'hui, sachant que certes, vous avez retrouvé votre femme, qui vous manquait terriblement durant votre détention ou votre résidence surveillée, mais aujourd'hui, vous êtes certes libre au Liban, mais vous ne pouvez pas sortir du Liban. En quelque sorte, votre prison s'est juste un peu élargie et agrandie. Oui, enfin, bon, je ne qualifierais pas le Liban de prison. Je dirais si je devais, quelque part, pour n'importe quelle raison, être contraint de vivre dans un pays, je choisirais le Liban. Donc, c'est déjà ça. Donc, on est très bien entouré. Nous avons beaucoup d'amis. Nous avons beaucoup de relations au Liban. C'est un pays qui est très agréable, c'est un pays très accueillant, et c'est un pays que je connais bien puisque je suis d'origine libanaise. J'ai la nationalité libanaise, je parle arabe, j'ai fait mes études secondaires ici. Donc je ne veux surtout pas qualifier le Liban de prison. Ceci étant dit, je subis aujourd'hui l'ire japonaise de comment avez-vous osé échapper au piège que nous avons consciemment mis en place pour vous pendant un an. Comment vous avez osé quitter le Japon ? Et la rage, elle est visible parce que même des ambassadeurs du Japon, qui ne sont pas au Liban, hein, pas des ambassadeurs au Japon dans d'autres pays, à chaque fois qu'ils rencontrent l'ambassadeur du Liban, la première question qu'ils lui posent, c'est « Est-ce que vous savez ce que fait Carlos Ghosn ?» Comment ça va ? Je dirais, c'est extraordinaire. Hein, je dirais, cette fixation sur un cas qui était supposé être un cas entre un patron d'entreprise et son entreprise est devenu un cas national. Mais ce qui est le plus frappant, le plus blessant, c'est la complicité dont les Japonais ont bénéficié, à leur grande surprise d'ailleurs, de la part des autorités françaises. On ne peut pas la qualifier autrement. Hein. Et je vous donne deux, trois exemples. Au moment de mon arrestation, deux, trois jours après mon arrestation, le ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, fait une grande déclaration en disant « Nous avons tout examiné, nous avons tout audité, il n'y a rien, tout est clair, pas de problème, en ce qui me concerne. » Deux mois plus tard, à son initiative, il y a un contrôle fiscal qui est lancé sur moi. Comme ils n'ont rien trouvé, alors maintenant, la grande théorie, c'est que, en fait, M. Ghosn n'était pas résident en Hollande, chose qui était vraie depuis 2012 officiellement, et pendant 7 ans, j'ai payé mes impôts régulièrement en France en tant que résident en Hollande, ils remettent en cause ce statut. Quand vous voyez ce genre de comportement,
très difficile à apprécier ou à considérer que vous avez subi une aide quelconque de la part, je ne dirais pas de la France, hein, la France c'est plus que l'État français, beaucoup plus que l'État français, de la part de l'État français et du gouvernement français. Quand vous voyez le résultat du désastre industriel que ça a été, alors évidemment les gens vont comprendre, tout va bien, quand vous comparez les résultats de Renault aujourd'hui par rapport à n'importe quelle année des 18 années qui ont précédé, c'est affligeant. Quand vous voyez que Nissan est revenu à ce qu'il était avant 1999, c'est une parenthèse d'une aventure fantastique qui était l'Alliance qui se referme, et on revient à une situation dans laquelle on a de la peine à retrouver le souffle qui existait dans le cadre de ces entreprises. Vous avez dit que si vous deviez choisir un pays pour ne plus en sortir, ce serait le Liban. Ce n'est pas la France. Est-ce que, malgré tout ce qui s'est passé, vous aimez encore la France? Premièrement, j'avais déjà choisi de prendre ma retraite au Liban plusieurs années avant que ces événements n'arrivent. Donc j'avais préparé la maison, on s'était mis d'accord avec Carole. Et pourquoi le Liban? Parce que c'est le point commun entre Carole et moi. Mes enfants sont adultes, ils sont tous pratiquement aux États-Unis ou en Angleterre. J'allais vivre avec Carole ma retraite, et notre point commun, elle est américaine et libanaise, moi je suis libanais, brésilien et français. Bon, donc c'était notre point commun, on avait choisi cet endroit. Donc c'est pas on a choisi le Liban après les événements, c'était choisi bien auparavant. Je vous dis, moi je fais une distinction entre la France et le gouvernement français, c'est deux choses différentes, heureusement d'ailleurs. La France avec sa richesse et ses multiples visages, et j'ai quand même été étudié en France, j'ai travaillé que pour des entreprises françaises, hein. Michelin d'abord, Renault après, et puis si je suis devenu patron de Nissan, c'est en tant qu'envoyé par Renault. Et je dois vous dire que quand j'étais arrêté au Japon, je n'étais pas un touriste brésilien ou libanais au Japon. J'arrivais en tant que patron de Renault, patron de l'Alliance, à qui on avait confié une mission claironnée par le gouvernement français à tout va, de faire converger l'Alliance. C'est ça le fond du problème. Et aujourd'hui, on le voit, c'est que convergence d'alliance, ils n'en veulent pas. Au contraire, aujourd'hui, très clairement, ils ne veulent plus de cette alliance. Chacun veut retrouver son autonomie, au détriment d'ailleurs des intérêts des actionnaires et des entreprises elles-mêmes. Est-ce que finalement, la raison pour laquelle la France vous a lâché, ce n'est pas aussi à cause de certains de vos excès? Tout à l'heure, votre femme a mentionné Versailles, oui. La fameuse fête de l'Alliance. Bon, la vidéo a été postée à dessein, hein, pour vous nuire, ouais. Mais en tout cas, ça a beaucoup choqué les Français. Et du coup, le gouvernement était un petit peu dans l'embarras pour vous défendre aussi. C'est sûr qu'il y avait les gilets jaunes, il y avait toute la campagne qui a été menée de manière très astucieuse par les agences payées par Nissan. Ils ont mis plusieurs mois à préparer leur plan, hein. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont été aidés par des professionnels. Ils ont prévu le coup en France en disant comment on peut-on paralyser le gouvernement français pour qu'il ne puisse pas venir au secours de Carlos Ghosn. Mais ils ne l'ont pas fait qu'en France, ils l'ont fait aussi au Liban. Je vous signale que en 2006, j'avais été en Israël en tant que patron de Renault pour signer un accord avec le gouvernement israélien pour la transmission, pour la mise en place des voitures électriques, le fameux projet de Better Place, avec des batteries démontables. À partir de ce moment-là, comme je suis citoyen libanais, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire « citoyen libanais, va en Israël, etc. » Bon, j'ai eu quelques ennuis. Très bien. Puis l'affaire s'est calmée parce que les gens ont vite compris que j'y allais pas en tant que citoyen libanais, j'y allais en tant que patron de Renault. Quand je suis arrivé au Liban, quelques jours après mon arrivée au Liban, des avocats anonymes, on sait très bien qui y avait derrière, ont mené une plainte vis-à-vis du procureur libanais en disant qu'il a été en Israël, il est punissable devant la loi libanaise. C'est interdit pour ceux qui nous regardent. Bien sûr. C'est interdit pour les citoyens libanais. Pour les citoyens libanais d'aller en Israël. Donc, mais attendez, cette histoire de 2006, elle a été réveillée le lendemain de mon arrivée, donc en 2020. Elle a été réveillée par, soi-disant, quelques avocats libanais inconnus au bataillon, pas très connus, mais avec un financement et une activation, évidemment, venant de la part de Nissan. Mais
Pour revenir à Versailles, excusez-moi d'insister, oui. Mais est-ce que vous reconnaissez avoir fait des erreurs ou des excès? Écoutez, c'est une question d'interprétation. Il y a eu deux faits à Versailles. Il y a eu, un, l'alliance, les 15 ans de l'alliance, qui a été présentée comme étant mon anniversaire, etc., etc., alors que tout prouve le contraire. On a le speech qui a été déclaré, les invités qui étaient là. Alors on a dit oui, mais il y a trop de Libanais, hein. Il y avait 20 ou 25% de Libanais. Bon, bah oui, bien sûr, il y avait Libanais parce que les Libanais ils sont partout, ils sont en Afrique, ils sont dans plusieurs pays, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup contribué au développement de l'alliance. La deuxième attaque sur Versailles, c'était l'anniversaire de Carole. Au départ, on dit que c'était mon mariage, c'était pas vrai. Après, ils ont adopté une deuxième version. Et puis après, il y a l'affaire des soi-disant 50 000 euros de location de la salle qui avait été gracieusement offerte, qui était avec tous les documents. Donc, vous voyez, je comprends très bien la réaction des gens de dire « Ah, c'est fastueux, Versailles, etc. » Mais tout était documenté, tout était étudié. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand ça a eu lieu, il ne s'est rien passé. Les 15 ans de l'Alliance, c'était en 2014. On réveille ça en 2018. L'anniversaire de Carole, c'est en 2016. On réveille ça en 2018. Ça fait quand même trop de coïncidences pour que ce soit tellement spontané et que ce soit vraiment une sorte de réaction. Ça a été alimenté de manière professionnelle, essentiellement pour détruire l'image. C'est ce que les Américains appellent le character assassination, qui fait partie du B.A.B.A. de tout manipulateur. Madame Ghosn, votre mari l'a expliqué, vous êtes née à Beyrouth, mais vous avez vécu notamment très longtemps aux États-Unis. Vous voyagiez beaucoup avant cette affaire. Aujourd'hui, vous êtes un peu aussi assigné à résidence ici au Liban. C'est difficile pour vous de ne plus pouvoir comme ça parcourir le monde, retourner aux États-Unis, etc. Oui, je trouve bien sûr c'est difficile quand on a des enfants dans un autre pays et on ne peut pas les voir. Oui, c'est difficile, je souffre de ça. J'espère que ça ne va pas durer toute ma vie. Mes enfants me manquent, ma maison à New York me manque, il y a des petites choses qui me manquent, c'est pas des choses, c'est ma famille qui me manque. Oui, je souffre, bien sûr, c'est dur, et je trouve c'était pas nécessaire toute cette histoire pour Carlos et pour moi, c'est injuste, on paye un prix fort. Dernière question concernant toute cette affaire. Il a été dit que, au vu des conditions extrêmement difficiles que vous avez vécues en détention, durant cette période, vous auriez un petit peu retrouvé la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'il en est? Non, d'abord, c'est pas une question de retrouver. Moi, j'ai toujours eu la foi. Je ne suis ni un agnostique, ni un athée, etc. Évidemment, cette épreuve, elle vous bouscule. Donc, vous creusez, vous essayez de retrouver en vous des explications à tout ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je n'ai pas retrouvé la foi, je l'ai approfondie. Et d'un autre côté, je pense que quand vous passez par une épreuve de ce type, si vous n'avez pas la foi, donc l'espoir, et l'amour des vôtres, je ne pense pas qu'un être humain soumis à des conditions de ce type peut résister. C'est une opération de destruction menée de manière professionnelle pendant des mois, organisée pendant des mois, non seulement destruction du caractère, mais destruction de la personne à laquelle ils se sont livrés. Et la grande surprise, c'est... Mais il est parti. Je ne pensais pas un instant qu'il pensait que quelqu'un pourrait quitter le Japon, dans n'importe quelle condition d'ailleurs, dans une malle ou autrement. Ce n'était pas du tout une hypothèse qu'ils envisageaient. Donc la surprise est à la base de cette vindicte qui me poursuit, de comment il a osé, pire, réussi à sortir de nos griffes. Je vais vous poser maintenant quelques questions sur la situation globale du Liban. Tous les Libanais ont été impactés par la crise en cours dans le pays, notamment la chute du cours de la monnaie. Et certains ont perdu toutes leurs économies de toute une vie.
Est-ce que vous aussi, vous avez été impacté et à quel degré? Non, mais bien sûr. Moi, j'ai été impacté, Carole a été impacté. Nous avons plein de parents, d'amis qui ont été impactés. C'est normal parce que vous avez tout le système bancaire qui s'arrête, tous les dépôts qui sont gelés. Personne qui vit au Liban, qui a des liens au Liban, peut bien vous dire « je n'avais rien au Liban ». Ce n'est pas vrai. Nous avons tous été impactés. Ceci étant dit, mais cet impact, vous savez, vous le vivez de manière différente. Parce qu'il y a des personnes qui ont été impactées dans le sens où ils n'ont plus de quoi vivre. Ça, c'est vraiment extrêmement troublant. Ces personnes qui ont toutes leurs économies dans une banque libanaise, qui ont travaillé toute leur vie. Et donc ça, c'est très triste de voir des personnes arriver à la fin d'une carrière et se retrouver dans une situation de ce type. Nous voyons, parce que Carole et moi, nous sommes engagés dans un certain nombre d'associations pour essayer de soulager un peu la misère que nous voyons autour de nous. Nous voyons beaucoup de cas qui sont franchement très... très dur, très triste. Et avec pas mal de personnes, nous œuvrons pour essayer de soulager un peu ces difficultés. Vous savez, quand un État s'effondre, ça fait beaucoup de mal. Hein. Tous les citoyens souffrent. Hein. Il n'y a pas de citoyen qui échappe à ce genre de situation. Mais ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux dont la vie de tous les jours est impactée. Pas les gens qui ont perdu leur épargne, mais qui ont toujours les moyens de vivre correctement. Ceux-là, bon, ils vont regretter ce qu'ils ont perdu, mais ça ne les touche pas autant que ceux qui le subissent dans leur chair, quoi, qui n'ont plus de quoi payer un médicament, de quoi envoyer les enfants à l'école ou les envoyer à l'université. Ça, c'est très dur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail des associations avec lesquelles vous travaillez pour venir en aide aux Libanais? Écoutez, il y a une association qui s'appelle Lubnanioun, qui est une association qui aide les écoles, essentiellement en donnant des bourses à des élèves dans les écoles dont les parents ne peuvent plus payer la scolarité. Bon, c'est une association qui est reconnue, qui agit essentiellement dans le périmètre de la région du sud et du centre du Liban. Nous les connaissons depuis longtemps, nous les aidons depuis longtemps, alors évidemment, aujourd'hui, nous les aidons beaucoup. Carole y consacre beaucoup de temps. Carole parraine deux écoles du sud du Liban, parce qu'elle est originaire du sud du Liban. Elle est donc très sensible à cette région. Elle y passe beaucoup de temps. Elle les visite, elle les aide, elle les oriente. Et évidemment, bien sûr, il y a aussi une aide financière. Et nous, non seulement direct, mais nous essayons d'associer beaucoup d'amis pour leur montrer ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, les résultats, ce qui est fait. Donc, sur ce plan, Carole est extrêmement efficace. Moi, j'aide d'une autre manière. Je suis à l'université, je travaille pro bono, je fais un stage de management de performance. Toutes les personnes que j'ai conviées à ce stage le font là aussi pro bono, ce qui fait que tous les paiements qui se font par les participants vont à l'université, essentiellement là aussi pour distribuer des bourses et pour aider à la formation de techniciens pour qu'ils trouvent du boulot. Donc, on est engagé dans pas mal d'actions qui sont essentiellement qui visent à essayer de régénérer un peu le tissu essentiellement éducatif et professionnel au Liban. S'il n'y avait pas l'aide de la diaspora libanaise à l'étranger et ces actions caritatives, humanitaires, même des petits réseaux d'associations dans toutes ces villes, le Liban s'effondrerait aujourd'hui? Ah oui, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, la force du Liban, c'est la diaspora. La diaspora libanaise, elle est très nombreuse puisqu'elle représente 2 à 3 fois la population libanaise qui réside au Liban. Et puis la diaspora libanaise qui est attachée au pays, en grande partie. Et j'espère qu'on saura trouver les moyens de recréer les conditions dans le pays où non seulement ils sont attachés au pays émotionnellement, mais aussi qu'ils voient que le pays est un bon endroit où investir. C'est ça ce qui va nous sortir de la crise. C'est pas ni le FMI, ni les aides à droite et à gauche, tout ça c'est marginal. La seule renaissance, elle vient de l'intérieur, elle n'est pas imposée de l'extérieur. Alors, ce qui vient de l'extérieur, c'est un catalyseur, c'est quelque chose qui peut vous aider à aller plus vite.
mais il faut que ça vienne de l'intérieur. Et les talents libanais et la richesse du pays, à partir du moment où le pays est bien managé, elle est colossale et elle est capable de surmonter cette crise financière que nous connaissons aujourd'hui. On a connu le Carlos Ghosn, patron de grandes entreprises. Est-ce qu'on pourrait connaître peut-être un jour le Carlos Rosen, homme politique libanais, qui pourrait aider à relever son pays? Non, aider à relever le pays, sans aucun doute. Moi, je suis disposé, je l'ai déjà dit. Homme politique libanais, certainement pas. Mais d'ailleurs, homme politique, hein, libanais, français, etc., certainement pas. C'est quelque chose que j'ai toujours, dès mon plus jeune âge, totalement mis à l'écart. Par contre, je trouve que quand on a l'expérience et quand on a un savoir-faire qui peut permettre à un pays de sortir de l'ornière dans laquelle il se trouve, il faut la mettre à l'œuvre. Et moi, je l'ai proposé, je continue de la proposer. On me demande plusieurs fois mon avis sur un certain nombre de dossiers que je donne et que j'argumente. Parce que les gens viennent me voir non pas parce que je suis X, Y ou Z. Ils regardent la performance passée et ils disent, bon, s'il a été capable de faire cela, donc il doit être capable de faire ceci. C'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai fait dans le cadre de l'alliance, ce que j'ai fait pour Renault, pour Nissan et pour Mitsubishi, est mon meilleur atout. Puisque je suis passé par là, je l'ai fait, je l'ai transformé, j'ai eu des résultats indiscutables. C'est ce qui fait mon attraction vis-à-vis du public libanais. Certainement pas ni mon intention ni mon envie de faire de la politique. Je vais revenir juste sur la situation au Liban. Il y a de plus en plus de Libanais, et notamment de chrétiens, qui quittent le pays à cause de la crise économique actuelle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces chrétiens? Et est-ce que le Liban pourra rester le Liban si les chrétiens continuent à quitter le pays comme ça? Je pense que le Liban ne se limite pas à ses frontières. Le Liban, c'est la géographie libanaise, plus les Libanais. Et que les Libanais soient aussi américains, qu'ils soient aussi français, qu'ils soient australiens ou qu'ils soient brésiliens, ça ne change en rien. Il y a beaucoup de Libanais qui quittent le Liban et qui ferment la porte. C'est fini, ils sont partis. Mais il y a aussi beaucoup de Libanais qui gardent un lien avec le pays. Or, ces Libanais-là qui gardent un lien pour le pays, c'est une richesse pour le pays. Je pense que quand un Libanais quitte, qu'il soit chrétien, sunnite, chiite ou druze, peu importe, c'est un atout pour le Liban, ce n'est pas une perte. Parce qu'aujourd'hui, moi je comprends très bien les jeunes Libanais qui ont une qualification, qui disent, moi je préfère aller à l'extérieur, construire quelque chose, et puis éventuellement revenir au Liban quand les choses seront normalisées. Je le comprends parfaitement. Je ne pense pas que c'est de la désertion, je ne pense pas que c'est du lâchage, au contraire. C'est une manière très intelligente de dire, je vais me construire, parce que si je suis fort, je peux mieux aider mon pays d'origine. C'est comme ça que je le vois. Et heureusement, il y a des deux. Il y a des Libanais qui restent au Liban et des Libanais qui quittent le Liban. Mais ceux qui quittent le Liban, il y a un pourcentage qui reviendront au Liban. Mais quand ils reviendront, ce seront des gens qui seront en mesure d'aider le pays en investissant dans le pays, en créant des entreprises ou en aidant leur famille. Mais ça va poser aussi un problème de rapport de force démographique. C'est-à-dire que si les populations chiites ou sunnites font beaucoup plus d'enfants que les populations chrétiennes, au bout d'un moment, il va y avoir un déséquilibre au niveau du rapport de force des populations et ça pourrait peut-être aussi changer l'équilibre politique actuel du Liban. Oui, c'est très vrai, à condition que les Libanais qui sont à l'extérieur ne votent plus. Or, vous savez très bien que le droit de vote, personne qui a la nationalité libanaise ou qu'elle réside peut très bien voter au Liban. Donc, ceci, c'est l'antidote absolu au fait que vous pénalisez les personnes qui ont quitté le pays et pas, au contraire, vous donnez plus de poids à ceux qui sont restés. Or, aujourd'hui, le Liban survit à cause des personnes qui ont quitté le pays. Ce sont les envois d'argent massifs de la diaspora libanaise qui maintiennent le pays à flot. De 8 ou 9 milliards de dollars d'envois des Libanais de l'extérieur, et c'est ce qui maintient le pays, même dans la situation précaire dans laquelle il se trouve. Donc, le maintien du droit de vote aux Libanais qui ont la nationalité libanaise mais qui ont quitté le pays est un moyen d'éviter que les communautés qui ont le plus émigré soient celles qui soient pénalisées politiquement. Deux questions sur la France. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact des sanctions qui ont été décidées contre la Russie par les pays occidentaux? Il y a une espèce de retour de flamme sur l'économie européenne et notamment en France où
Là, on voit des gens qui ont peur de ne pas pouvoir se chauffer cet hiver, peur de ne pas avoir d'électricité, voire même qui font aujourd'hui la queue devant les stations-service. Oui, non, c'est très triste de voir cela, d'autant plus que c'est tout le monde est perdant dans cette affaire. Je dirais l'Europe est perdante, la Russie est perdante. On va mettre des années à reconstruire ce qui a été détruit, c'est déplorable. C'est vrai que ce n'est pas du tout à l'initiative de l'Europe que ça s'est déroulé. L'Europe a été plutôt dans une position défensive. Je ne vois pas comment on aurait pu éviter la situation actuelle, franchement, qui n'est pas du tout à l'initiative des Européens. Les Européens subissent. Ils subissent autant qu'ils peuvent une situation qui leur a été imposée. Madame Ghosn, je voulais vous demander, justement, vous, votre mari expliquait que vous étiez très investi dans l'associatif. Pourquoi pour vous c'est important de vous investir pour essayer d'améliorer le quotidien des Libanais? Je trouve l'éducation c'est le futur. Un enfant qui ne peut pas aller à l'école, c'est presque son droit d'aller à l'école. Et il y a beaucoup de gens maintenant, ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école et c'est triste. Et parce que c'est le futur et ce pays est... notre éducation, c'est notre valeur humaine. Ici, les Libanais sont très éduqués et c'est pour ça qu'ils peuvent voyager et trouver des travails partout au monde. Donc pour moi, c'est le futur. C'est pour ça que je fais une concentration sur l'éducation. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que Carole était très ébranlée quand elle a fait ses visites aux écoles. Je pense que ça l'a énormément touché, de voir des enfants de 6 ou 7 ans qui étaient dans des classes où il faisait très froid, il n'y avait pas de chauffage, qui étaient obligés de porter leur manteau pour pouvoir suivre les classes. Les enfants qui n'ont pas de crayon, qui n'ont pas de papier, ça l'a bouleversé. Elle aidait beaucoup, mais je pense que la vue de la réalité l'a profondément marqué. Et moi, je la vois très, très impliquée là-dessus. Elle n'est pas impliquée uniquement parce que c'est bien, parce que c'est ses valeurs. Elle est impliquée effectivement dans ce travail. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on lit dans un journal qu'il y a de la misère, c'est pas la même chose que quand on la voit et quand on la vit. Quand on voit les gens qui souffrent, quand on voit les enfants qui ont faim, quand on voit les enfants qui ont froid, ça c'est quelque chose qui va au-delà du rationnel, qui va au-delà des idées, au-delà des valeurs. Ça crée un lien affectif et je pense que Carole y est très très sensible. On en a malheureusement aussi fait l'expérience au cours de notre reportage cette semaine. Dernière question, Monsieur Ghosn, sur la France. Certains en France ont peur, enfin disent, que la France, avec la poursuite de l'immigration, pourrait devenir un nouveau Liban. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de possible et que faudrait-il faire, à votre avis, pour l'éviter? Non, franchement, je ne pense pas qu'on peut comparer les deux cas pour une raison très simple, c'est qu'une grande partie des problèmes qu'il y a eu au Liban, une grande partie, pas la totalité, sont dus aussi à des immigrations étrangères. Or, le voisinage de la France n'est pas aussi turbulent que le voisinage du Liban. Donc ça, c'est déjà un élément très, très important. Et d'un autre côté, je pense que les gens qui viennent en France n'ont pas été forcés de venir en France. Ils sont venus en France parce qu'ils voulaient venir en France, parce qu'il y avait des opportunités de travail, parce qu'il y avait... Vous voyez, je veux dire, donc, alors qu'une grande partie des personnes qui sont venues au Liban sont venues parce que c'était des réfugiés. Ils étaient forcés de venir au Liban. Donc je pense que les conditions, enfin, quand on compare la France dans l'avenir qui peut être un Liban, je pense que c'est un peu exagéré. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Les tensions ne sont pas les mêmes. Les voisinages ne sont pas les mêmes. Les influences extérieures ne sont pas les mêmes. Vous savez, quand il y a plusieurs cultures dans une société, c'est en même temps une richesse et une vulnérabilité. C'est une richesse si vous savez la manager, si vous savez mettre des limites, si vous savez mettre des règles et les faire respecter. Et ça devient une vulnérabilité si ça devient des raisons de conflit. Donc
La multiculturalité, elle existe pratiquement dans toutes les sociétés, à des degrés différents. Il y a des sociétés qui savent la gérer et des sociétés qui, à un certain moment, se trouvent dépassées par cette multiculturalité. Mais ne faisons pas d'illusions, hein, je ne pense pas que la globalisation est terminée. C'est vrai que maintenant, il y a un coup de frein, il y a des retours en arrière, c'est tout à fait normal. Enfin bon, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, elle va dans un seul sens. Hein. Il y a quelques parenthèses, bien sûr, qui peuvent durer longtemps, 20 ans, 30 ans. Mais la marche, elle va dans un seul sens. C'est qu'une planète, une humanité, dans sa diversité, et ça, c'est la réalité que nous vivons et que nos enfants et nos petits-enfants vivront dans l'avenir. C'est-à-dire que pour vous, les États-nations sont voués à disparaître ? Non, je ne dis pas ça. Je pense que les identités culturelles sont très importantes à conserver, hein, parce que c'est comme ça que vous vous retrouvez, hein, dans votre identité culturelle, dans votre identité, dans votre village, dans votre communauté de base. Mais en même temps, pour vivre et vous développer, vous avez besoin d'échanger avec les communautés qui sont autour de vous. Il ne faut pas que les communautés qui soient autour de vous soient une menace pour vous. Au contraire, ce soit une source de richesse, une source d'épanouissement. Facile à dire, difficile à faire, je le conçois. Hein. Et c'est pourquoi il y a des conflits, c'est pourquoi il y a des retours en arrière. Moi, je ne crois pas un instant à imaginer que dans 1000 ans, on est dans des États-nations, dans une planète qui est en train de conquérir l'espace, d'essayer d'aller dans d'autres endroits. Je ne crois pas un instant. Que sur les 5 ou 10 prochaines années, nous subissions ça, je le conçois. Mais sur le long terme, pas un instant. Mais d'un côté, c'est l'État-nation libanais, vous, qui vous permet d'être libre aujourd'hui. Parce que dans un système globalisé, comme vous le défendez, vous n'auriez pas pu échapper à la justice japonaise. Si j'avais été français de souche, uniquement, vous pensez que le gouvernement français aurait eu une autre attitude vis-à-vis de moi ? Si vous répondez oui, il y a un problème. Ça veut dire que les Français qui ne sont pas de souche ne sont pas défendus de la même façon que les Français de souche, ce qui quand même pose un problème de base. Et si vous me répondez non, ça veut dire que l'État-nation, il ne sert à rien. Puisque dans tous les cas, il vous aurait lâché parce qu'il y avait des intérêts que les politiciens français ont considérés bien supérieurs que celui de la sauvegarde d'un citoyen français qui était soumis de manière évidente à un complot. Alors que ce complot, c'était pas parce que lui-même avait fait des choses, c'est parce qu'il était là pour appliquer une politique qui lui avait été demandée par le gouvernement français, la convergence de l'Alliance. Je disais ça par rapport à la politique du Liban de ne pas extrader ses citoyens. Le Liban n'existait plus qu'en tant que province culturelle... Monsieur, je vous rappelle, la France n'extrade pas ses citoyens non plus. Hein. Le Liban n'est pas le seul pays, le Brésil n'extrade pas ses citoyens, la France n'extrade pas les citoyens... je dirais donc il y a plein de pays qui n'extradent pas le citoyen, donc c'est pas que c'est un pays refuge, non, c'est il y a une question de souveraineté qui est à la base de la constitution d'une nation et vous pouvez pas juste sélectionner quand la souveraineté marche ou qu'elle ne marche pas. Merci beaucoup Madame Ghosn et Monsieur Ghosn de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Madame Ghosn? À toi. Moi, c'est freedom, comment on dit. Liberté totale, plus totale. Je pense, oui, c'est ça. Et vous, Monsieur Ghosn ? Ah, moi, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est quand même un peu de justice. Merci beaucoup. Merci.